Étincelant dans le jeu face au Mexique, 2-0, le Brésilien Neymar fait surtout parler de lui pour ses simulations et exagérations, qui exaspèrent le monde du football, et au-delà. Neymar a l'habitude d'exagérer, de beaucoup tomber. C'est son style de jeu. Ceux qui doivent punir ce comportement, faire en sorte qu'il arrête d'en rajouter, ce sont les arbitres, avait prévenu le capitaine mexicain André Guardado avant le 8e de finale remporté par le Brésil face au Mexique, 2-0, avec un grand Neymar, tant par ses coups de génie, que par ses cris de douleur. Déjà moqué depuis le début du mondial pour des réactions surdimensionnées aux fautes subies, voire pour des simulations, la star parisienne n'a pas dérogé à la règle face au Mexique. Si Neymar est effectivement le joueur ayant subi le plus de fautes depuis le début de la compétition, 22, il n'en est pas moins un véritable acteur, jugeait Eric Cantona avant la rencontre.